Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo qui fait suite à la première vidéo sur le site de Kennedy où on présente les sites de parapente du 06. Donc aujourd'hui, on est sur le site de Roquebrune Cap Martin, on est au Mont Gros et on va vous présenter un petit peu le site. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, je vous invite à vous rapprocher du club local qui est Roquebrune L. Donc c'est parti pour la petite présentation du site, let's go. Donc le site de Roquebrune Cap Martin est un site FFVL. Vous trouverez au décollage et à l'atterrissage un panneau explicatif du site. Pour se rendre à l'atterrissage, je vous conseille de rentrer dans le GPS la gare de Roquebrune-Cap-Martin. De là, il faudra descendre sur la plage du Golfe Bleu par un petit escalier. L'atterrissage est assez grand, il y a plusieurs manches à air. Le vent peut arriver du sud-est comme du sud-ouest, donc bien regarder avant d'atterrir. En fin de journée, être attentif aux catabatiques et ne pas trop s'éloigner du bord pour pas se retrouver à ne pas pouvoir rentrer sur la plage. Quand il commence à faire beau, attention aux personnes sur la plage, parfois il peut y avoir du monde. On peut se rendre au décollage de plusieurs manières. La première, c'est à pied. Je vous mets en lien ma vidéo qui parle du parcours. Environ une heure de marche pour rejoindre le Mont Gros depuis la gare. Il y a également des navettes qui sont disponibles tous les jours de la semaine, sauf le mardi et le mercredi. Elles sont réservables par téléphone au 0800 740 538. Ou bien, en se créant un compte sur ViaCities, vous pourrez réserver les navettes en avance. Vous trouverez les horaires des navettes sur le site de Roquebrunel en fonction de la saison. Une fois arrivé en haut, il faut marcher une dizaine de minutes pour rejoindre le décollage. Il se fait en sud, sud-est, sud-ouest. Bien sûr, ne pas décoller par vent de nord. Il peut y avoir beaucoup de monde, notamment des cives. C'est un site qui attire beaucoup de pilotes du monde entier. Une fois en vol, le survol des habitations doit se faire au moins à 100 mètres d'altitude et à plus de 50 mètres latéralement. Le panneau vous permettra de voir les zones qui sont interdites de survol, notamment Monaco et le Mont Agel qui est une zone militaire. Il y a également un second décollage qui s'appelle l'Aïbaraï, qui est plus à l'ouest et qui est destiné aux pilotes un peu plus expérimentés, car l'atterrissage n'est pas visible du décollage et le décollage peut être technique. Il ne faut pas y voler par vent d'est trop soutenu car il y a un risque d'être bien contré pour aller vers l'atterrissage. Pas de vagues possible entre le décollage et l'atterrissage de la plage. En tout cas, c'est un site qui est magnifique et qui vaut vraiment le détour. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo sur le site de Roquebrune Cap Martin vous aura plu. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur un autre site de vol du 06. En attendant, je vous dis ciao ciao! N'oubliez pas de vous abonner!